Allez, bonjour à tous, bienvenue sur ce direct. Aujourd'hui, on se retrouve à côté de chez moi. J'étais parti en vacances un peu dans ma famille pour tout vous raconter. Du coup, manifestation aujourd'hui à Valence contre le pass sanitaire. On a le conseil départemental de la Drôme qui est juste ici. On a la préfecture de la Drôme qui est juste derrière aussi. Bienvenue en direct à Valence, on est en province aujourd'hui, voilà, on n'est pas à Paris. Je vous invite à commenter, liker, partager ce direct. La manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale qui s'élance à l'instant même de la préfecture de la Drôme. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le direct. Je vous invite à le commenter, le liker, le partager un peu partout autour de vous. Aujourd'hui, je vous amène en province, voilà, du côté de Valence, dans la Drôme. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce direct un peu partout autour de vous. La manifestation contre le pass sanitaire qui s'élance depuis la préfecture de la Drôme. Alors par contre, il n'y a vraiment aucun policier. C'est la première fois que je fais une manif ici à Valence. Et il n'y a vraiment aucun policier. Il y a... S'il y a une voiture devant, donc il doit y avoir deux policiers à peine. Voilà, donc vous voyez, il y a des gilets jaunes, des citoyens en colère. En tête de cortège, on a des pompiers qui sont en tenue en tête de cortège. Regardez. Contre le pass sanitaire, les mesures autoritaires, même Macron ne veut pas. Les pompiers qui sont en tête de cortège derrière la banderole de la manif qui s'élance, qui devrait durer 2 heures normalement ici à Valence. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire s'il se passe aussi quelque chose proche de chez vous. Voilà, ça me fait plaisir de vous amener un peu par chez moi. Pour ceux qui sont un peu curieux, j'ai grandi dans la Drôme. Voilà, donc ça me fait plaisir de participer à cette manifestation ici à Valence. Là, Valence, je vous rappelle que c'est la préfecture de la Drôme. Et donc, on vient de partir de juste devant la préfecture. Thank you.
pouvez voir sur certaines pancartes, en fait, il y a le nom des petits villages aussi aux alentours. Là, on peut voir Cré, Vernoux-en-Vivarais. Donc Vernoux-en-Vivarais, c'est en Ardèche. C'est juste à côté. Et le rassemblement, c'est ici, à Valence, je vous rappelle, préfecture de la Drôme. Une fois de plus, voilà, pour donner un maximum de visibilité à ce direct et puis aussi pour donner de la visibilité en province, hein, et ben je vous invite à commenter, liker, partager ce direct. Je vous invite aussi à taguer vos amis dans les commentaires. Et puis sur YouTube, je vous invite à mettre un gros pouce en l'air pour donner un maximum de visibilité voilà, en province. On est aujourd'hui, je vous rappelle, à Valence dans la Drôme. Manifestation contre le pass sanitaire, la vaccination obligatoire et les lois liberticides. Il me semble que le cortège il doit traverser la ville. Là vous avez une moto de police. Voilà, ils sont là, ils font juste la circulation, mais il n'y a pas des brigades entières hein, de policiers qui sont déployés. Il me semble qu'il y a une moto et une voiture. C'est tout. Se mettre sur la route en fait pour bloquer la circulation parce qu'ici en fait c'est une voie de bus, ici c'est un pôle bus, donc ils décident d'aller sur la route, voilà, histoire de gêner un peu le monde et puis d'aller sur de bloquer la circulation. Je sais même pas s'il y a des déclarations en préfecture ou quoi pour ces manifs ici en province, j'en ai vraiment aucune idée. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner un max de visibilité à ce direct et aussi à la province, hein. Je vous rappelle, aujourd'hui on est à Valence, dans la Drôme, préfecture de la Drôme. La manif vient de s'élancer justement de la préfecture de la Drôme en direction de je ne sais où. On va faire le tour de la ville de Valence un peu aujourd'hui. Je vous rappelle, Valence, une ville de, si je dis pas de bêtises, 44 000 habitants, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier mes fiches, voilà. Énormément de monde hein, qui se mobilise ici à Valence. Il y a des gens qui se déplacent d'Ardèche hein, aussi pour venir, voilà. Je compte sur vous hein, pour donner un maximum de visibilité à la province. Province, il y a 64 000 habitants, excusez-moi. 64 000 habitants à Valence, voilà. Plusieurs milliers de personnes là qui se rassemblent dans les rues. Ceux qui n'arrivent pas trop à situer là où on est à 5 km au sud de Lyon. On est à 20 minutes de Montélimar. Et regardez, on a les sapeurs-pompiers qui sont ici en tenue.
Ils nous connaissent, donc c'est super, merci, hein. Vous voyez, tout le monde nous suit, même les pompiers. Là, il y a un drapeau Tintournant ici, c'est des gens qui viennent d'Ardèche qui sont là, et vous pouvez voir le cortège toujours, hein, qui est composé. Il y a des soignants, il y a des pompiers, il y a des retraités, il y a des personnes en colère, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des papis, des mamies, des syndiqués, des pas syndiqués. Vous pouvez voir que le cortège est vraiment composé d'une foule, vraiment, il y a vraiment, voilà, tout le monde qui est représenté. Il n'y a pas que Paris dans la ville, la province aussi se mobilise contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Pour la croix sur Vécuteux, vous êtes 559. Hein, je vous invite une fois de plus à donner un max de visibilité à ce direct. Et puis je vois que sur la page Vécu normale, vous êtes 377, je vous invite de suite à migrer du côté de la page VQ2 pour suivre le direct. Et je vais regarder sur YouTube. Et sur YouTube, vous pétez le record d'aujourd'hui. Vous êtes 636 à nous suivre sur YouTube. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on est, je le répète une fois de plus, à Valence. Je vous invite à commenter, liker, partager ce direct. Voilà, histoire de donner un peu de visibilité aussi, hein, en province. Et puis, si ça vous intéresse, samedi prochain, je peux éventuellement aller dans une autre ville de province, pas trop loin d'ici, ou alors remonter à Paris. Faites-moi un petit topo dans les commentaires. Dites-moi si ça vous plaît aussi de faire un peu le tour en province. Voilà, Paris, Paris, Paris. Et bien, écoutez, j'en ai profité d'aller rendre visite à ma famille pour venir ici dans ces manifestations valentinoises. Regardez ici, vous avez des gilets jaunes de la première heure de Tournon dans le 07. Voilà, ils viennent aussi d'Ardèche, hein, ici. Les gens, c'est un peu le point de rassemblement en Valence. On aura un témoignage des pompiers, hein, juste après. Je vous rappelle que les pompiers sont en tenue ici. Tu travailles pour Vécu? Ah bah oui, t'es merde, putain, comment je t'ai pas reconnu toi? Jules. Ouais, t'étais en Colombie, en Colombie là. Merci. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis m'expliquer un peu ce qui est écrit sur votre blouse? Alors je suis ASH à l'hôpital de Tournon. Représentant syndical 100% détaché, mais je suis agent suspendu depuis mercredi 8h30. Vous êtes suspendu parce que je refuse de me faire vacciner.
tout simplement. Tout simplement. Et donc là, vous êtes suspendu pendant 2 mois, c'est ça? Jusqu'à ce que je produise un justificatif de vaccination ou un contre-indication vaccinale, ou si j'avais le bonheur d'attraper le Covid, un certificat de guérison du Covid. D'accord. Les 2 prochains mois s'annoncent comment pour vous, personnellement? Ben personnellement, ça va. De toute façon, ça ne sera pas 2 mois parce que financièrement, je n'ai pas les moyens de tenir 2 mois. Donc, on va laisser 1 mois et puis après, ben. Vous allez viser. On va viser, ouais. D'accord. En espérant que. Vous travaillez, excusez-moi. À l'hôpital de Tournon. L'hôpital de Tournon, il y a combien de personnes qui ont été suspendues? Vous savez. Deux. Vous êtes là, les deux. Voilà. Les deux sont là. On peut voir à Nice, je crois, c'est près de 400 soignants hein, dans un hôpital qui ont été suspendus. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Je sais pas. À Nice, il y a 400 soignants qui ont été suspendus à l'hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je trouve que c'est inadmissible qu'on s'aborde les soignants comme ça. On est là pour soigner, on n'est pas là pour être là. Hein. Donc, c'est un grand sentiment de colère et de... Sidération. Comment? Sidération. Voilà. Parce que ça paraît pas croyant. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, du coup, on essaye de prendre quelques témoignages. D'accord. Mais j'habite ici, moi, en fait. Hein. Super, on a des soutiens aussi, des soutiens de vécu ici dans la Drôme aussi, voilà. Merci à vous, dans tous les cas, à chaque fois qu'on se déplace, même en province, ça fait hyper plaisir hein, de vous retrouver un peu partout en France. Et là, on arrive voilà, dans un point stratégique à Valence, on est au pôle bus. Hein. Alors ici, c'est le point central. Dire oui voilà ici c'est le pôle bus hein. Le pôle bus qui est ici c'est le point central un peu de la ville de Valence parce que c'est là que transitent tous les bus voilà donc le cortège qui passe du côté du pôle bus et du côté de la route hein, histoire de bien bloquer la circulation des bus et des véhicules au moins personne ne peut circuler voilà. C'est YouTube, ça s'en sort. Comme en ce moment, je reste plus sur YouTube, j'adore avec vous. Merci. C'est fait, hein? Hein? Ça y est, hein? C'est quel média? Vécu. Ouais. C'est vécu. Indépendant, 100%. Oh oui, vécu, attention. Film là où il y a... Bah, il y a 100 personnes, mais la majorité... Les gens, ils sont là, ils sont ravis. Qui est donc occupé par les manifestants et on a la route aussi hein. C'est un axe principal hein, de Valence là où on est.
boulevard de Valence. Je vous rappelle, un axe principal de la ville. On est à côté de la fontaine monumentale, là. Voilà, je fais quelques vidéos aussi avec mon téléphone. Je vous invite à aller nous rejoindre sur toutes les plateformes. Là, je vais faire un petit tweet, voilà, pour vous présenter aussi voilà, un format sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, YouTube, sur Telegram. Pour nous trouver, c'est simple, vous tapez Vécu Média. Voilà, pensez à vous abonner sur toutes nos plateformes. Voilà, plusieurs milliers de personnes qui sont rassemblées aujourd'hui, une fois de plus à Valence, et vous avez la police municipale qui est là et qui fait la circulation, donc il y a deux motos. Voilà. Qui vient de me faire un don, merci à toi Momo Zig, et puis j'aimerais aussi en profiter pour remercier en direct Clara, merci Clara qui vient de me faire un don sur mon Tipeee, merci aussi un énorme merci à Mignard, merci beaucoup Mignard pour ton don, merci David, ça fait super plaisir, et enfin merci Fifi, merci beaucoup Fifi. Je vous rappelle que pour me soutenir sur le terrain, mon lien Tipeee est dans la description du live. Vous pouvez faire un don à partir de 1 euro pour ceux qui n'ont pas trop de moyens. Et puis ceux qui ont un peu plus de moyens, ben n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez faire un don de 10, 20 euros. Voilà, ça. C'est pour m'encourager sur le terrain. Merci à vous, les amis. Notre peuple de soins pour votre santé et tout le peuple français.
le cortège donc qui repart. Vous pouvez voir que les bus ils sont paralysés là pour l'après-midi. Enfin, du moins le temps de la manif. Un peu d'avance et de se mettre en hauteur pour essayer d'avoir une vue du cortège entier. D'avance pour vous faire une vue un peu en hauteur du cortège. Que c'est 300 000 personnes qui ont été suspendues depuis le 15 septembre parce que ces personnes-là ne sont pas vaccinées. Alors, j'aimerais bien savoir la communication du gouvernement par rapport à ça. Je vous rappelle que c'est 300 000 personnes dans le domaine médical, pompiers, tout ça, qui vont être suspendus, qui sont suspendus. Alors déjà que l'hôpital, c'était pas fameux. Au niveau du personnel, on verra bien ce que ça va donner.
les choses sur les chiffres. Les manifestants qui sont là, là, il y a quelqu'un qui estime à peu près la participation à 3000 personnes. Il faut savoir qu'en moyenne, Valence, c'est 7000 personnes à chaque fois, entre 6 et 7000 personnes à chaque fois. Ils ont fait un pic à 10 000 personnes et là on se retrouve avec 3 000 manifestants aujourd'hui. Voilà. Alors, n'hésitez pas à faire un point dans les commentaires hein, sur ce qui se passe aussi un peu ailleurs en France, sur la participation ailleurs en France. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Contre les plans sanitaires, les mesures autoritaires, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Même si Macron n'est pas nous, on est là. Je suis on est là. On est là. Même si Macron n'est pas nous, on est là. Thank you.
C'est très indépendant sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci. Pas de soucis. Pardon ? Je vois vos vidéos sur Facebook. Ouais, c'est bon. Courage. Du coup, voilà, je vous ai fait une prise un peu en hauteur de tout le cortège. Voilà, vous avez pu juger par vous-même le nombre de personnes. Moi, il y a un organisateur qui m'a confié que voilà, il estimait à peu près la présence à 3000 personnes hein, aujourd'hui à Valence. Voilà, je vous rappelle, on a fait le déplacement, enfin j'ai fait le déplacement aujourd'hui à Valence, voilà, dans la Drôme, préfecture de la Drôme, manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Voilà, faites-nous un petit point aussi dans les commentaires sur ce qui se passe dans les autres grandes villes. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble qu'aujourd'hui on ne filme pas à Paris, il me semble que Norman ne peut pas filmer aujourd'hui à Paris. Moi je suis venu me mettre au vert dans ma région, là où j'ai grandi, voilà, dans la Drôme, et je suis venu ici à Valence. Voilà, ça fait aussi... Ça fait un peu de changement, hein, vous voyez, de vous montrer ce qui se passe en province, parce que dans la vie, il n'y a pas que Paris. Il se passe aussi plein de choses en province. Vous pouvez voir que Valence est une ville de 64 000 habitants et il y a 3 000 personnes qui se mobilisent tous les samedis. Alors il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Ardèche aussi. Là on peut voir des noms de villes, là, Livron, L'Oriole. Donner, comme je vous ai dit, de la visibilité à la province. Il me semble qu'il y avait un appel national aujourd'hui à Lille. Là, on a deux fourgons de police hein, qui sont déployés ici. Alors ici, en fait, je vous explique, si on va tout droit, il y a un pont qui mène en Ardèche. Les montagnes qu'on voit au bout là-bas, c'est... C'est l'Ardèche qui est là-bas, il y a un pont, on peut l'apercevoir ici. Il y a un pont qui mène en Ardèche, on peut voir qu'il y a donc deux fourgons de police hein, qui sont déployés ici, parce que c'est un lieu un peu sensible. Voilà une artère vraiment principale. Vous avez des policiers qui bloquent la circulation aussi, les sapeurs-pompiers hein, qui sont en tenue et avec nous aujourd'hui. C'est cool parce qu'il y a mes parents qui sont dissimulés dans la manif. Allez, n'hésitez pas, hein, je vous rappelle, si jamais vous avez Twitter, Instagram, YouTube, et ben rejoignez-nous hein, sur nos réseaux, sur nos autres plateformes. Voilà, vous avez juste à taper VECU Média, VECUME, DIA dans... la barre de recherche de votre réseau social préféré et vous allez nous trouver. Voilà, et puis pour ceux qui veulent... pour ceux qui veulent me suivre aussi en perso sur Instagram, je vous invite à me rejoindre ici, Jules Ravel 1, J-U-L-E-S-R-A-V-E-L 1.
On a dépassé la barre des 4000 abonnés. Merci à vous pour votre fidélité, votre gentillesse et votre bienveillance. Toujours en direct à Valence, aujourd'hui, énième mobilisation contre le pass sanitaire. Voilà, et merci à vous aussi qui me soutenez financièrement. Je vous rappelle qu'il y a mon lien Tipeee dans la description du live. Je vous rappelle que si jamais vous voulez me financer, moi, Jules Ravel, citoyen reporter, et mon Tipeee dans la description du live. Et ici, on a le kiosque Péné qui est juste ici. Le kiosque Péné qui, sûrement, vous connaissez. C'est connu mondialement, le kiosque Péné. Pour l'instant. Alors, kiosque Non, pas tout de suite. Allez, dans vos casques. Il y a les gens qui veulent. Eh bien, vous direz pas. Mais 5 minutes. Non, je ne peux pas la tête. Je suis pas entêté, hein. Simplement, je ne comprends pas pour ces ordres qu'ils donnent. Normalement, on va au kiosque. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est pas. Alors, vu qu'il n'y a pas de déclaration dans ces manifestations, les manifestants sont livrés un peu à eux-mêmes. Dix minutes vers le kiosque, merci. Il y a la personne qui a le micro qui dit on va faire une petite pause au kiosque pendant 10 minutes. En avant. Vers le kiosque, 10 minutes. Avancez, c'est vers le kiosque, merci. Mais attendez-vous là, au kiosque. Bon. Du coup, je disais, vu qu'il n'y a pas de déclaration, et c'est ça qui est bien aussi quand même en province, mais voilà, ça peut poser quelques problèmes parce qu'il y en a qui veulent aller quelque part, d'autres qui veulent aller quelque part d'autre. Donc des fois, c'est un peu complexe de gérer une foule qui est un peu divisée. Il y en a qui veulent aller tout droit, à droite. Autrement, la démocratie c'est aussi ça. S'ils ont décidé autre chose, et ben ils font autre chose tout simplement. De la police nationale qui ouvre la manif, mais ils suivent, enfin ils vont là plus ou moins là où les manifestants ont décidé d'aller. Vous avez deux policiers municipaux, trois maintenant, qui sont présents pour faire la circulation, et tout au bout là-bas il y a la gare, en fait la gare de Valence, la gare de Valenceville. Partir dans les rues piétonnes, là-bas il y a une FNAC. Voilà, il y a une FNAC qui est en plein centre-ville de Valence. On va voir comment ça va se passer pour les manifestants, ce qu'ils vont décider. Dans tous les cas, là on est dans les rues piétonnes de Valence, donc c'est là où il y a tous les commerces. Paradoxe, donc des gens qui
manifestation contre le pass sanitaire. Ici, là, il y a une FNAC, ça s'appelle le Centre Victor Hugo. Voilà, c'est vraiment le cœur hein, de la ville. Voilà, des rues piétonnes, c'est là que les gens sortent le samedi pour venir faire leurs achats. Voilà, c'est tout le temps plein. Il y a un McDonald's qui est ici, pour ne pas le citer. Et il y a plein de magasins, là. Il y a le magasin Orange qui, d'ailleurs, pour l'occasion, a fermé ses portes. Et là, voilà, là, on est devant le... La FNAC de Valence avec les agents de sécurité qui ont fermé les portes. Oh, ça va, ça va, c'est haut. C'est pas du tout, toi. Va bien, Romain. Devant cette FNAC. Thank you.
que le cortège est arrivé devant la FNAC d'Aléroïe Piétonne, devant le centre Victor Hugo, beaucoup fréquenté le samedi après-midi. Je suis compatible, je suis compatible, je suis compatible.
c'est moi. Mon email de YouTube. Il est pas perdu. Donc du coup, on a la manifestation, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé pendant longtemps, il y a des gens qui me reconnaissent un peu, ça fait plaisir. Du coup, on a la manifestation qui est en train de passer dans les rues piétonnes. Je vous rappelle que c'est des parcours qui ne sont pas déclarés, hein, donc les manifestants vont vraiment là où ils veulent. Du coup, on retourne sur les boulevards et je pense hein, que la manifestation va aller devant la gare. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Mais je sais que dans tous les cas, les manifestations, généralement, ici à Valence, elles se terminent devant la mairie. Voilà, donc on va suivre ça de toute façon ensemble. Je vous invite une fois de plus à commenter, liker et partager ce direct un peu partout autour de vous. Voilà, pour donner aussi de la visibilité à la province. Voilà, dans la vie, il n'y a pas que les grandes villes, il n'y a pas que Paris non plus. Voilà, merci à Clara hein, pour ton don. Je vous rappelle, pour tous ceux qui veulent me filer un petit coup de pouce, qui aiment mon travail et mon engagement, je vous rappelle que mon lien Tipeee est dans la description de ce live. Voilà. Donc, pour tous ceux qui soutiennent mon travail, eh ben, je vous invite à faire un petit don. Si vous n'avez vraiment pas de moyens, ben, je vous invite à partager ce direct autour de vous afin de lui donner un maximum de visibilité et d'essayer de battre un peu la censure.
Liberté. Voilà, donc en fait, il y a deux pompiers professionnels qui sont ici. On m'a montré le papier de pourquoi est-ce qu'ils étaient licenciés. Et le motif de licenciement, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est quand même un paradoxe hein, de donner une lettre de licenciement à des pompiers avec marqué dessus « mise en danger de la vie d'autrui ». On va essayer d'avoir leur témoignage hein, à la fin de la manif. Je les ai croisés tout à l'heure et ils vont témoigner en fin de manif. Nous suivre sur YouTube. Alors ici en fait il y a un rassemblement, il me semble que c'est une marche des fiertés qui doit se passer ici, et là il y a des stands avec des animations et je crois bien qu'il faut le pass sanitaire pour rentrer ici. Voilà, tout simplement. En tout cas la manif contre le pass sanitaire, les lois liberticides et l'obligation vaccinale, eh ben c'est un peu plus de monde quand même, beaucoup plus de monde même que ce rassemblement derrière. Et là donc le cortège qui retourne en direct sur les boulevards. Come on.
liberté. 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 On vous entend pas bien. Plus fort. Plus fort. Liberté. 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 Il y a de plus en plus de monde qui a rejoint la manif. On peut voir que là, elle s'étend encore plus loin. La manif, elle s'étend encore plus loin. Donc on a du monde qui nous a rejoint. Donc on va revoir à la hausse quand même. On avait dit 3000 personnes. Il y a au minimum 500 personnes qui nous ont rejoint en plus. Et là, on peut voir que les manifestants, ils se sont remis donc
au pôle bus. Vous avez la voiture de police qui est là-bas, une moto de la police et le pôle bus, donc le réseau de bus de Valence qui est actuellement bloqué par les manifestants. Quelques manifestants qui se sont assis. Du coup, voilà, la manif qui repart. Plusieurs milliers de personnes qui sont rassemblées à Valence. Voilà, vous voyez les bus qui sont complètement à l'arrêt. Hein. Je vous rappelle qu'on est samedi après-midi, le pôle bus c'est un... Le pôle bus c'est un endroit stratégique. Hein, voilà, vous avez vu, là, il y a tous les bus, il y a des bus qui partent aussi dans les villes avoisinantes, qui partent en région, à la gare. Donc voilà, vous voyez que ça dérange. Le fait de bloquer ce pôle bus ici. Et j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit non, effectivement, ici, il n'y a pas de déclaration. Et la police est là. Et en fait, ils vont là où va le cortège. Et vous avez les gens qui attendent, qui sont là. Ils attendent leur bus patiemment. Même le bus n'arrivera sûrement pas maintenant. Voilà, parce que je vous rappelle que les manifestants bloquent les bus. Et ils sont aussi sur l'un des axes principaux hein, de Valence. Voilà, on est sur les boulevards ici, la manifestation. Qui retourne en direction de la préfecture, mais qui, je pense, va aller à la mairie. On va découvrir ça ensemble. Remercier Yvette pour son don. Merci Yvette. Yvette qui nous dit poursuivez ainsi. Et ben merci Yvette pour ta bienveillance et pour ton don. Je vous rappelle que mon lien est dans la description du live. Voilà, plusieurs milliers de personnes rassemblées à Valence contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Et voilà, je vous rappelle aussi que vous avez des sapeurs-pompiers qui sont là, qui sont juste devant nous. Ils ont été suspendus par le motif de mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, donc les pompiers sont ici dans la manif, ils sont en tenue avec nous. Voilà, vous avez bien entendu, hein, ils sont suspendus pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, les liens d'intérêt de Macron et des Big Pharma. Oui-je? Sur Nexus de septembre-octobre. Le Nexus de septembre-octobre. Dépistage Covid. Une journaliste s'est fait passer pour une étudiante en pharmacie. Ouais. Pour aller tester dans le... Vous filmez, vous expliquez. Dans le nez des gens. Ouais. Et le pharmacien lui a rien demandé. Elle a été embauchée sans aucune formation. Ouais. Alors que légalement, elle devrait... Il y a des textes de loi. Ouais. Donc elle explique tout ça. Comment ils manipulent les masses. Elle a été embauchée, alors elle est journaliste, elle a été embauchée pour faire des tests PCR. En disant qu'elle était étudiante en pharmacie, il leur fait des tests PCR, alors qu'il y avait... Elle a montré les textes de leur pharmacien, et du coup il a dit, hop, vos trucs ça m'intéresse pas, dégagez. D'accord. Aucune formation. Aucune formation, ouais. Nexus. Et c'est dénoncé dans ce magazine, alors. Voilà. Ok. Qui n'a aucune pub, qui est indépendant, et du coup je me suis abonné. Eh ben merci monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, des témoignages intéressants ici à Valence.
À l'entrée des rues piétonnes, encore il y a beaucoup de rues piétonnes ici à Valence, et le cortège de plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent ici. Donc on va voir s'ils s'élancent dans les rues piétonnes. De s'engouffrer là dans la rue piétonne, ils vont prendre le devant du cortège et ils s'adaptent vraiment aux décisions du cortège. C'est le cortège hein, qui décide. Ce qu'on me confie en fait, c'est que pendant les gilets jaunes, a priori, il y avait des manifestations qui étaient déclarées en préfecture. Et là, en fait, pour le pass sanitaire, elles ne sont plus déclarées, les manifestations. Voilà, les manifestants vont où ils veulent. Et c'est la police qui s'adapte aux décisions du peuple qui est dans la rue contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Voilà, donc aucune déclaration en préfecture ou en mairie. Oh!
le cortège donc qui passe dans les rues piétonnes. Dans les rues piétonnes, c'est vraiment hyper fréquenté le samedi. Et là, on va en direction de la mairie, tout simplement. Voilà, donc une fois de plus, hein, je le répète, mais pour ceux qui ne le savent pas, tous ces manifs ici à Valence ne sont pas déclarés. Hein, voilà. Et ça rassemble plusieurs milliers de personnes. Hein. Il y a eu des pics à plus de 10 000 personnes ici à Valence aujourd'hui. Au début, on a commencé à 3 000 à peu près. On est venu me voir parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est rassemblé, qui s'est rapproché du cortège. Et d'après les estimations qu'on m'a données, les gens m'ont parlé de 5 000 personnes hein, présentes aujourd'hui à Valence. Je vous rappelle que Valence, c'est la préfecture de la Drôme et qu'il y a à peu près... voilà, il y a 64 000 habitants à Valence et on peut voir 5 000 personnes dans la rue. Voilà, contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Et on va pas tarder d'arriver juste devant la mairie. Vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde dans les rues. Hein. Pour un samedi après-midi, il n'y a pas masse de monde dans les rues. Du coup, il y a les policiers qui se sont mis devant la mairie parce que chaque semaine ils viennent devant la mairie, sauf que en fait il y a quelqu'un qui dit la mairie c'est fini, on va ailleurs. Voilà, tout simplement, ils vont ailleurs, ils font autre chose les manifestants. Alors peut-être que ça va poser problème pour les manifestants, mais a priori ils continuent à déambuler dans les rues de Valence. Avancez. Oh,
Voilà, excusez, j'étais en train de régler un peu du matériel. Du coup, les manifestants se sont arrêtés à côté de la mairie, mais pas en face. Procéder au contrôle de votre passe sanitaire. Non, c'est une blague, c'est une blague. Vous ne lâchez pas tout de suite. Il y a le cortège qui est en train d'avancer encore là-bas. Il y a une partie du cortège qui est partie par là-bas. Vous en voulez ou pas? J'en ai parlé dans le cortège, il y en a pas mal qui connaissent. Sur septembre-octobre, ils expliquent pourquoi le Macron et le Big Pharma sont très étroitement liés. Une journaliste s'est fait passer également pour une aide infirmière. On l'a embauchée dans une pharmacie sans aucun contrôle pour faire des tests nasaux. Ils expliquent tout ça là-dedans, comment on nous manipule. Je vous invite à... C'est un journal qui n'a aucune publicité. C'est moi qui leur l'ai fait gratuitement parce que je trouve que c'est génial d'avoir des journaux qui n'ont absolument aucun lien avec la, avec d'autres sociétés. C'est simplement l'abonnement ou l'achat 7,90€ en librairie presse. Voilà. Nexus de septembre-octobre. Merci. Merci. Merci à eux et merci à tous nos journalistes. Il n'y en a pas beaucoup sur nos chaînes de télé, mais il y en a plein à côté sur Internet qui se démènent pour que la vérité soit faite sur tout ce scandale. Alors merci à tous, on peut applaudir tous les médias qui se donnent du mal. Une deuxième petite intervention très rapide. C'est comment ? Je me présente, Charlotte Gilet Jaune d'Aubenas. Voilà, je vais essayer de faire court, mais j'ai quand même deux, trois choses à vous informer. En fait, c'est sur, je ne sais pas si vous voyez le tapage qui est fait en ce moment sur le réchauffement climatique. En fait, c'est beaucoup d'intox, beaucoup de faux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des expériences en ce moment pour changer le climat. Donc aujourd'hui, on voit bien les chemtrails. Toutes les tempêtes en ce moment, c'est quand même commandé par eux, c'est-à-dire typhons, tempêtes, voilà. Et il y a aussi les incendies. Les incendies, tout l'été, ça a été criminel. Alors je voulais voir nos camarades pompiers, je ne sais pas s'ils sont au courant. Non, c'est la même chose. Laisse-moi parler. Ah, je peux parler ? C'est la même chose parce que ce sont les satanistes qui sont en train de tout niquer. Ils détruisent l'humain. Je voulais proposer une action anti-masque. Le problème, c'est que c'est déjà trop tard. On aurait pu faire une
c'est des choses qu'on aurait dû faire depuis longtemps pour protéger la santé de nos enfants. Et voilà, on peut les faire quand même encore maintenant. Voilà. Cette semaine, j'étais avec 5 personnes à quitter l'hôpital depuis ta présence. Il n'y en a pas un seul soignant qui nous a rejoint, à part le succès connu. Tout le monde a klaxonné. Samedi dernier, quand j'ai annoncé l'opération, tout le monde a dit « Ouais, génial !» Il n'y en a pas un qui m'a rejoint. Ni soignant, ni pompier. Vous n'avez pas honte? J'ai niqué une semaine de ma vie. Ils étaient tous là. Samedi, ils étaient tous là à dire oui, et il n'y en a pas un qui est venu, c'est ce que je constate. Oui, c'est vrai, je suis témoin, il était sur le point, et je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est vraiment un très très beau témoignage. Allez, motivé. Mais le cortège qui repart dans les rues piétonnes de la ville de Valence. Devant le tribunal de grande instance de Valence. Donc ici là c'est une place où il y a pas mal de restaurants, là vous pouvez voir
par ici, par là-bas, là, c'est une place voilà, où il y a pas mal de restos. Donc du coup, ils ont décidé de venir par là, comme ils ont dit, pour essayer de réveiller les gens qui sont au resto tranquille, qui ont montré leur passe sanitaire pour venir s'asseoir aux tables des restaurants. Là, on s'en rend pas bien compte, mais il y a toujours autant de monde. Toujours autant de monde à cette manif contre le pass sanitaire. Ils essayent de suivre le cortège en moto, mais c'est compliqué. Du coup, on est venu dans les petites rues. Les voitures, elles peuvent pas venir, il me semble, ici. Ah si, là-bas, là, il y a une voiture de police qui nous a rejoint. Elle a changé depuis tout à l'heure. On est là, 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 on est
qui ont préparé. On ne prend pas la parole pour dire ce qui nous passe par la tête. Il faut, c'est important de préparer, d'être clair et concis. Merci. Liberté. Sur la gauche. Un peu de silence. Un peu de silence. Si on veut écouter quelques personnes, la sono. Est-ce que vous entendez un peu la sono? Oui, on vous entend vite fait. Il n'y a pas tout le monde encore. Oui, mais devant à 10 mètres, ça va, mais derrière, personne n'entend. Ça arrive encore. Bon, on va faire un petit sondage. Ceux qui sont au fond vers la pharmacie, est-ce que vous entendez la sono? Ils ont répondu, donc ils ont entendu. Alors, c'est pas très net, bon. Ce qu'on vous propose, c'est... Mettez-vous en cercle, rapprochez-vous autour de la sono. Il y en a qui ont même proposé l'idée de faire une chaîne humaine. Est-ce que vous êtes d'accord autour de la sono? Allez, venez, rapprochez-vous autour de la sono. Rapprochez-vous, ceux qui sont derrière. Ouais, bah, c'est bon, ça va. On va se mettre sur le banc, tu viens. Allez, mettez-vous en rang autour de la sono, vous pouvez faire une chaîne humaine là. Allez. Approchez-vous si vous voulez entendre, parce que personne n'entend rien du tout, comme d'habitude. On fait l'escargot. C'est spontané, c'est non violent. Qui entend la sono? Est-ce que vous entendez? Alors une chaîne, rapprochez-vous tous pour que vous puissiez entendre un petit peu quand même. On va avoir quelques brefs discours. Liberté, 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 liberté. Liberté, 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 liberté.
Liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance. Ouais, chouette. Résistance, liberté. Alors, les soignants et les pompiers, on va les mettre au milieu. Tous ceux en blouse blanche, tous ceux qui viennent d'être virés, suspendus, tous ceux qui sont remerciés, venez là, au milieu. Ouais, on les applaudit. On les applaudit. On les applaudit. Voilà, là, il y a toutes les personnes qui ont été remerciées, hein, qui ont été suspendues, qui rejoignent le centre. Les soignants. Voilà, vous avez toutes les personnes qui ont été licenciées, enfin qui ont été suspendues, qui rejoignent le milieu du cercle. Liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté. Ceux qui auront la priorité, vous savez que nous sommes là pour la 9e fois. Il y a des centaines de manifestations en France. C'est merveilleux. 10e fois qu'un peuple résistant est là et vous êtes formidables. Là, on est en train de faire quelques petites informations. Vous savez que nous sommes là depuis 10 manifestations pour 3 buts. La suppression de ce pass numérique infâme que nous a imposé. La deuxième chose qui est absolument liée et qui est fondamentale, c'est que nous sommes contre l'obligation vaccinale. Répétons-le pour tous ceux qui nous entendent. Personne n'est contre, n'est anti-vax. Nous sommes contre un produit expérimental pour la liberté de refuser un produit qui est en phase 3 d'expérimentation. Dans le monde entier, vous le savez, et je parle comme médecin et au nom de tous les médecins qui essayent de réfléchir, de voir ce qui se passe dans le monde, il y a 4 problèmes majeurs actuellement. L'immunité collective ne sera jamais atteinte. Et d'un, on nous l'a dit pendant des mois. Deuxièmement, le produit n'est plus efficace contre la plupart des variants. Donc échec d'efficacité dans beaucoup de cas. Merci Gigi et Jacques pour votre don. Merci, je vous embrasse. Les gens, écoutez bien, les gens vaccinés et non vaccinés sont unis
comme transmetteur un soignant vacciné et un soignant non vacciné ont la même chance de transmettre le virus. Donc, cette obligation n'a aucun sens scientifique de base. Enfin, le plus grave, et je vous donne des chiffres officiels, l'efficacité, on verra plus tard, a été peut-être sur des tranches d'âge, vous savez, de gens très âgés ou des gens présentant un risque. Écoutez bien, dans le monde entier, en dessous de 45 ans, il n'y avait aucun risque de Covid, de mortalité, en dehors des gens qui avaient des risques particuliers. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans le monde entier, toute la population en dessous de 45 ans a beaucoup plus de risques avec la vaccination qu'avec le Covid et les variants actuels. Le docteur Mena a fait une très bonne synthèse. Il y a énormément de gens qui ont, vous le savez, des effets secondaires. Beaucoup ne sont pas déclarés, mais les chiffres que nous avançons sont officiels au niveau européen, américain et mondial. 5% des gens, au moins, ont des effets secondaires graves. Et surtout, retenez ce chiffre qui n'a jamais été atteint dans l'histoire de la médecine, ce vaccin, et c'est... Ce sont des chiffres mondiaux, à 100 fois plus d'effets secondaires que tous les autres vaccins. 100 fois plus. Quel intérêt de vacciner des gens en bonne santé et surtout des enfants? Et là, nous arrivons à la honte de vacciner pour aller dans un club de foot, pour voyager, pour faire comme les copains. Où est l'information, où est la liberté de conscience? Pour travailler, bien sûr, pour les soignants. Nous sommes là devant un carrefour. Alors, je vais être très bref parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Par exemple, 350 pompiers, c'est un chiffre officiel, je ne peux pas vous citer les sources officielles, dans la Drôme, 350 pompiers volontaires et non volontaires sont actuellement, et certainement beaucoup plus, ont refusé cette injection. Des centaines de soignants. Le gouvernement et les gouvernements, depuis un an, ont manipulé la population par la peur, par le mensonge, par la désinformation et la soumission. Et un peuple s'est retrouvé dans la rue. Où sont les médecins qui, avec conscience, vont dire « mais non, c'est pas possible ». Où sont les politiques, tous à plat ventre? Vous avez vu des écharpes tricolores dans nos manifestations. Nous sommes des millions en France. Et sur les informations ce soir, vous savez que nous serons quelques dizaines de milliers. Il y a une désinformation totale. Alors, le cri avant de passer à quelques témoignages, nous n'allons pas faire comme pour les manifestations des Gilets jaunes qui ont été massacrées, désinformées, infiltrées. Nous avons gagné 10 manifestations dans toute la France et des millions de gens dans toutes les villes de France qui se réunissent aujourd'hui. C'est une merveilleuse unité du peuple français. Nous sommes passés au-delà des divisions politiques, syndicales. On va faire circuler. Juste un mot pour dire. Oui, non, mais en bas. Terminer en disant que nous sommes là au cœur d'une semaine, vous le savez, essentielle et au cœur d'un tournant pour nos actions.
qui va continuer en profondeur avec deux orientations, et je passe la parole à quelqu'un tout de suite. Deux orientations, parce que le but est clair. Une orientation juridique qui est en cours, et la deuxième orientation, c'est en profondeur dans l'unité, partout en France, avec des collectifs, avec des gens qui sont en train de s'organiser de manière magnifique. Voilà, juste pour vous remercier de tout cœur pour ce travail fantastique que vous avez fait. Voilà, je suis soignante intérimaire, donc j'ai arrêté le métier. Je fais des recherches un peu de partout pour avoir des pistes, qu'on se sorte de se merder vite fait, parce que ça ne va pas être gérable au quotidien pour tout le monde. Et ça devient trop dur pour les enfants, les gens qui perdent leur emploi et tout. Donc je vais vous dire des trucs un peu peut-être violents, qui sont durs à entendre, mais c'est la réalité. Et je vous donne des infos positives derrière, donc ne désespérez pas. Voilà, donc le virus Covid, soi-disant, qui est dangereux, donc il faut bien savoir qu'il y a 0,5% de décès selon l'âge des personnes. Par contre, concernant les vaccins, les chiffres sont arrêtés là, au début, fin août, il y a eu 23 940 décès, ça fait 3,6% à cause des vaccins. Ça dépasse largement le virus. Et pour les effets secondaires, on est à 5,5%. D'effets secondaires graves, il y a 2 170 044 personnes. Donc voilà, le virus ne tue pas, le vaccin oui. Donc il y a une plainte en correctionnel qui concerne ces injections qui part lundi, faite par Maître Brusa. Vous la trouverez sur son site Réaction 19 ce lundi là, une plainte qui va au correctionnel. Et il va mettre en même temps que ça part, donc c'est que lundi, vous aurez une analyse d'un labo indépendant qui a analysé les 4 vaccins qu'on nous propose aujourd'hui. À savoir que dedans on trouve de nombreux métaux qui sont utilisés pour des machines. On met ça sur l'homme avec du dioxyde de graphène, poison interdit pour l'homme, qui ne sont bien sûr pas marqués sur les flacons, il faut bien le savoir. Vous allez trouver des parasites, des traitements de tissus animaux et de fœtus humains avortés. On nous injecte des virus, dont celui du sida. Et vous allez découvrir tout ça. Une lettre qu'on doit signer avant l'injection, qui donne tous les effets secondaires qui sont cités. Vous trouverez tout ça sur le site lundi. Voilà. Donc il y a aussi un collectif qui part pour le tribunal de Valence avec Maître Tatigan pour tentative d'empoisonnement à personne à rejoindre pour soutenir le mouvement. Les avocats, les juristes nous conseillent de nous battre sur le plan local et de remonter comme ça en chaîne. Ça pourrait arrêter tout ce bordel là, tout ce passe, ces vaccins obligatoires. Donc rejoignons-le. Et moi je propose de faire un collectif avec lui, si vous êtes d'accord, pour justement arrêter tout ça. Parce que l'Assemblée parlementaire dit de s'assurer que personne ne doit subir une pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner si elle ne le souhaite pas. Dans l'alinéa 1, l'alinéa 2 qui dit que personne ne doit être victime de discrimination si non vacciné en raison de risques potentiels pour sa santé ou juste parce qu'il refuse un vaccin, qui n'en est pas un, je précise. Le Conseil de l'Europe, donc c'est toujours l'Assemblée parlementaire, dit à l'alinéa 3 que les États membres doivent veiller aux souhaits de chaque enfant de prendre en compte leur âge, leur maturité, que les parents veillent à demander d'autres formes de soins que ça. Voilà, donc ça viole toutes les lois européennes et internationales qui sont supérieures à la loi française. Donc demandons par un collectif de se battre sur ces violations pour faire tout arrêter. Et si on gagne, tout ceci peut faire jurisprudence pour tout le monde, pour se battre pour contre les employeurs, tous ceux qui nous demandent, les instituts, l'administration qui demandent tout ça. Il faut que tout ça, ça s'arrête. Voilà, et ça servira pour tout le monde et ça peut faire bouger beaucoup de choses. Mais il faut que ça soit dans tous les... Répétez le nom de du partout. Collectif. Oui. Bah, le collectif, on va demander à Maître Tatigan qui le prenne en compte. Voilà, donc Tatigan de Valence. Il démarre une action là, et donc moi je propose de prendre la liste de personnes qui s'intéressaient pour cette action. Si on est 200, qu'on donne 20 euros, et ben l'avocat est payé. L'objectif, c'est d'être le plus nombreux possible. Voilà. Bah après, on va aller le trouver avec ça. Voilà. Alors, voilà, on va laisser la parole à une soignante qui vient d'être virée et qui va vous donner son témoignage. Ah, c'est
c'était juste pour vous dire, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas les conditions de travail à Nonet. Alors, la première vague, on s'est retrouvés sans masque, sans rien, on ne se posait pas de questions si on ramenait la maladie chez nous, si on allait contaminer nos familles. Ils n'en avaient rien à faire. Je vous dis honnêtement, on avait des masques de 2018, on s'amusait sur les millésimes. Honnêtement, aujourd'hui, ce que je demande, c'est le droit de choisir. Vous, quand vous venez, vous ayez une croix gammée, que vous ayez, vous soyez venu pour un IVG, que moi je suis contre, je vous soignerai de la même manière. Aujourd'hui, je vous demande juste de me laisser choisir ce que j'ai envie de faire. Je suis depuis le début du confinement, depuis le début de la vague, je suis avec les patients aux urgences, j'ai tout ramassé. Je vous dis franchement, j'ai tout ramassé, des remarques et tout ça, j'ai tout ramassé, ma famille aussi. Je n'ai pas ramené le Covid, je n'ai donné le Covid à personne. Ça veut bien dire que le protocole, il fonctionne sans la vaccination. Et aujourd'hui, on me demande de me vacciner. Alors d'échanger contre un protocole qui fonctionne, contre quelque chose, je ne sais pas ce que ça va être plus tard. Est-ce que j'aurai une sclérose en plaques? Est-ce que j'aurai une thrombose? Est-ce que je vais laisser ma famille derrière? Ils n'en ont rien à faire. Aujourd'hui, quand j'allais au travail, je regardais le drapeau bleu, blanc, rouge qui flotte à l'entrée de l'hôpital. Mais il ne devrait pas y avoir que des soignants. Vous êtes tous concernés. Il y a un drapeau qui flotte devant l'entrée. Les urgences, c'est l'endroit. L'hôpital, c'est l'endroit de la République où tout le monde devrait pouvoir entrer sans montrer de passe. Ne serait-ce qu'un escalier, une marche, il ne devrait pas y avoir. Il ne devrait pas y avoir d'obstacle pour entrer à l'hôpital. Parce qu'on est dans les pays des droits de l'homme. Ils peuvent m'arrêter, hein, c'est pas grave. Hein. Mais je resterai soignante. Merci. Donc, vous avez bien entendu le témoignage poignant de cette aide-soignante aux urgences d'Annonay. Voilà. Et merci pour ce cri du cœur. Est-ce qu'il y a un autre soignant qui voulait parler? Non, moi, j'ai quelque chose à dire. Non. Là, c'est le mari de la soignante. Ah oui, c'est le mari de la soignante. Tu peux dire un mot, puisque toutes les familles sont concernées. Parle fort. Oui, bonjour. Je vous présente, je suis le mari d'une charmante infirmière. Je vais faire simple parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je voulais juste, dans ce monde triste, envoyer un message d'amour pour tous les personnels soignants qui sont chez eux en dépression, qui sont en train de souffrir de toute cette injustice et de ces mesures liberticides. Et je veux aussi envoyer beaucoup d'amour à ceux qui ont eu le courage et la force de se lever aujourd'hui pour venir à la manifestation ici, dans toutes les parties de la France. Et aussi beaucoup d'amour à mon épouse, qui est courageuse d'aller jusqu'au bout, de mettre sa vie en suspens, comme beaucoup de Français et de Françaises ici. Donc beaucoup d'amour à tout le monde. Liberté, 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 résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance. Bonjour à tous. Je prends la parole très brièvement pour, comme chaque semaine, vous inviter à nous retrouver au parc Jouvet, on va dire à 16h pour faire simple. Donc après la fin de la manif, à 16h au parc Jouvet, au milieu des rails du petit train, certains d'entre nous ont compris qu'on a inventé pour nous un monde futur. Je pense qu'il faut que nous, on invente notre propre monde futur et qu'on impose notre propre vision. Donc rendez-vous au parc Jouvet à 16h au milieu des rails du petit train pour rêver ce monde futur. Et pour se réunir, se rassembler, je pense que l'isolement, c'est une des stratégies du gouvernement, hélas. Mais je vous propose de jouer à la stratégie inverse, le rassemblement et l'union. Merci. Ah oui, il y a eu de la part. Un tout petit mot. Parce que peu de gens veulent parler malheureusement et très peu de gens. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Ok. Non, je remercie à tous d'être venus. C'est important pour le peuple. Ensuite, je donne mon courage à toutes les personnes qui ont perdu leur emploi. Je pense à tous les infirmiers et infirmières qui ont perdu leur job. Franchement, c'est inadmissible. Donc c'est à nous maintenant de les soutenir, d'être tous unis, mais dans le même sens. Parce que ce qui me pose problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on est en train de se diviser au lieu de se rassembler. Ça, c'était un point de vue. Ensuite,
je souhaiterais que vous vous rapprochiez du groupe, pour ceux qui le souhaitent, GPRF, qui veut dire Groupe Population de la Résistance Française. C'est le groupe de David Schuller. C'est un autre moyen, parce que c'est bien les manifs, mais à un moment donné on commence à s'essouffler, d'ailleurs on l'a vu, on est un peu moins nombreux, ce qui est déplorable. David Schuller permet en fait une autre solution de toucher notre roi qui nous gouverne, car ce qu'il aime en tant que banquier, c'est l'argent. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir taper fort et efficacement. Et à un moment donné, il faudra penser à se regrouper. Donc, sur le site de M. Schuller, il y a des groupes qui sont en train de se créer. Il y a quelqu'un qui a créé un groupe sur Valence, en 26. Je vous invite à aller voir sur le groupe de M. Schuller qui veut se rejoindre à moi, parce que j'en fais partie, voilà, et qu'on reste tous unis. Donc dans chaque département, il y a des groupes qui sont en train de se créer pour qu'on reste passif et qu'on avance rapidement. Il faut qu'on sorte de la merde rapidement. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier que moi je suis venu avec mon gamin. Il y a hors de question que Macron, du haut de son trône, ait l'idée de piquer les enfants. Les enfants n'ont pas de problème de commodité. Donc il leur fout la paix. Il n'aura jamais mon gamin, qu'on soit clair. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je m'opposerai à la vaccination sur mon fils. On ne le touchera pas. C'est bien clair. Ensuite, c'est à tous les parents. Je demande à tous les parents, que ce soit les pères ou les mères, en espérant qu'il y en reste quand même qui sont éveillés, pas comme le père de mon fils, qui souhaite le faire piquer. Mais je souhaite vraiment que certains parents se mobilisent et s'opposent à la vaccination contre les enfants. Il y a un message sur Internet qui dit que Bill Gates a dit que les vaccins ne sont pas là pour vous protéger, il faut rester un peu lucide et arrêter de suivre le gourou qui nous parle là-haut. Mais les vaccins, c'est la réduction des niveaux de la population. On est trop nombreux sur cette planète et leur but, c'est de nous éliminer, d'éviter qu'on se reproduise. Donc ils sont en train de toucher la stérilisation. Donc le vaccin sert à nous stériliser. Et en même temps, à nous éliminer. Je remercie le monsieur à qui appartient le micro. Je sens que je dérange, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'à un moment donné, nous sommes en démocratie et on a le droit à la parole. C'est bon, il y a assez du gourou qui est en train de nous priver de nos libertés. Donc voilà, stop. Il y a des gommages. Je dis qu'on doit protéger nos enfants. Du coup, voilà, là, je crois qu'on est sur une fin de manif. Voilà, du coup, là, il y avait des prises de parole. Hop. On n'a plus trop de réseau sur cette place. Du coup, voilà. Et là, il y a des prises de parole qui sont faites maintenant sur cette place. Je crois bien que c'est une fin de manifestation. Je surveille l'heure. Alors, ça va partir un coup. Alors, est-ce que les pompiers sont toujours là pour avoir leur témoignage ? Il y a la police qui est là, mais c'est cool. Ils restent à distance, ils font rien. Voilà les amis, c'était la manif à Valence. Du coup, dernier don, merci beaucoup à Angel qui nous dit
Bonjour Jules, continue comme ça et merci à toi, merci à Angel pour ton don. Je vous rappelle que pour tous ceux qui veulent participer, ça se passe dans la description du live. Voilà, j'espère que ce direct vous a plu. Voilà, on était en direct de la Drôme, de Valence, voilà, de la préfecture de la Drôme. Manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Je vous invite à rejoindre les autres lives qui sont en ce moment sur VQ. Il me semble qu'on est en live à Toulon et à Metz, si je dis pas de bêtises. Du coup, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci les modos, hein, d'avoir modéré ce live aussi. Je vous embrasse.